Tiens, Olivier, une lettre pour toi. Qui est-ce qui peut bien m'écrire au bureau? Ah, ça? En tout cas, c'est pas moi. Bah, une femme, peut-être? Non, tu m'excuseras, Antoine, il n'y a pas de femme dans ma vie. Plutôt, il y en a une. Il n'y en a qu'une. Je suis marié. Marié et fidèle. Ça te paraît idiot, hein? Idiot? Non, pas idiot. Suspect. Mais à la place de ta femme, je me méfierais. Ah, Emmanuel a confiance en moi comme moi j'ai confiance en elle. Bon. Marie modèle. Voilà. Et dis donc, tu n'as pas l'air pressé de l'ouvrir, cette lettre. Ah, tu préfères sans doute être seul. Bon, je te laisse. Au fait, rappelle-toi que le père Petsec n'aime pas que les employés de son service reçoivent du courrier personnel au bureau. Hein? Si je n'avais discrètement subtilisé la lettre au passage, tu n'y couperais pas d'un retard à l'avancement. Ouais, tu es bien bon. Tout de même, c'est pas de ma faute si on m'envoie une lettre. Hein? Puis d'abord, franchement, je vois pas d'où elle peut venir, cette lettre. Une réclame. Bon, pauvre. Enfin, l'adresse est tapée à la machine. Ouais, ben, on aurait choisi le tarif des imprimés, et l'enveloppe serait ouverte. Ah non, ça... je crois plutôt que ta ravissante n'a pas voulu te compromettre. Une adresse dactylographiée, c'est la moindre des précautions. Olivier, qu'est-ce que tu as qui te tracasse? Mais rien, ma chérie. Non, je t'assure rien, Emmanuel. Alors, quelle tête ferais-tu s'il y avait quelque chose? Je suis comme d'habitude. Non. En arrivant du bureau, tu m'as embrassé du bout des lèvres. Et tu t'es enfoui dans ce fauteuil pour n'en pas bouger jusqu'au dîner. J'avais un rapport délicat à étudier. Tellement délicat que tu en as lu tout le temps la même page. Parce que tu m'espionnais. Tu m'inquiétais, c'est tout. Je suis venu à table à ton premier appel. Et tu as mangé tout ce que je t'ai servi. Au fait, qu'est-ce que c'était? La viande, légumes. C'est presque ça. Et qu'avons-nous dit? Et enfin, de quoi avons-nous parlé? Un tas de choses, comme chaque soir. Mon pauvre Olivier, tu ne sais vraiment pas dissimuler. Tu n'as pas prononcé une parole, sinon oui, non, merci, enfin, etc. Alors, tu as eu une nouvelle Annie Croche au bureau? Il s'agit du bureau, n'est-ce pas? Oui et non. Ça m'a l'air bien embrouillé. J'ai reçu une lettre, là. Et au bureau. Tu veux dire qu'on t'a remercié? Mais non. Rassure-toi, pas question. Non, c'est une lettre anonyme. Oh, une lettre anonyme? C'est une farce imaginée par tes copains de bureau. Ton ami Antoine, tiens. J'ai jamais aimé ce type. Il a une mauvaise influence sur toi. Tu as un doux, Olivier. Un être qui ne voit pas le mal. Mais non, mais c'est pas Antoine. Je crois pas. Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte, cette lettre anonyme, pour t'avoir bouleversé à ce point? Ce qu'elle dit? Oh, puis. Tiens, regarde. Là, l'adresse est à la machine. Monsieur Olivier Mesmin. Oh, Mesmin avec un T, il y a une faute. Oui. C'est quelqu'un qui te connaît mal. Oui, enfin, quelqu'un ou quelqu'une. Il paraît que les lettres anonymes sont en général écrites par des femmes. D'ailleurs, le texte de la lettre est plutôt féminin. Regarde. Monsieur. C'est écrit en majuscule d'imprimerie. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle des caractères bâtons, je crois. Mais c'est un mensonge. C'est un abominable mensonge. Ah. Tu as lu? C'est ignoble. Et tu l'as cru? Monsieur Mesmin, votre femme vous trompe avec votre meilleur ami. Oh! Signé XY. Si je tenais la garce. Oh, tu y tiens à ce que ce soit une femme? Oui. Et moi, je pense que seul un homme est capable d'une lâcheté aussi gratuite. Une femme aurait expliqué, fourni des précisions, donné le nom de mon soi-disant amant. Meilleur ami, c'est Norbert. Et Patricia, tu la laisses de côté. Norbert est marié. Norbert aime Patricia. Et il a raison, avec la galette qu'elle lui a apportée. Oui. Oh, c'est affreux, Olivier. Un inconnu t'écrit une calomnie sur mon compte et nous voici à chercher une preuve de mon innocence. Mais non, j'attache aucune importance à cette lettre. Oh, bien sûr. Mais tu fais une tête impossible. Malgré toi, tu te poses la question si c'était vrai. Mais si j'y avais cru, même si peu que ce soit, je t'en aurais pas parlé. Alors, c'est à Norbert que je me serais adressé. Tu accuserais ton meilleur ami? Mon meilleur ami. S'il me trahissait. Eh bien,
Je le tuerai. Tu es fou. Parce que tu as reçu cette lettre qui ne contient pas un mot de vrai. Il n'y a pas au bureau quelqu'un dont le nom se rapproche du tien? Non, personne. Oh, attends, j'ai une idée. Je suppose que devant tes collègues, tu te plais à répéter que tu es heureux en ménage, que nous nous entendons merveilleusement, etc. Ah oui. Pourquoi nous en cacher? Parce que les gens, enfin, disons la plupart, se sentent insultés par le bonheur des autres. Ah, oh, ce petit Olivier, il a une femme qui l'adore, il ne la trompe pas. Nous allons le secouer un peu. Quelques gouttes du poison de la jalousie, ce sera crevant. Alors, ce sont de petits rigolos, tes chers copains. Ça, j'en suis sûre maintenant, ils ont mis au point ce complot. Et ils seraient aux anges s'ils nous entendaient en ce moment. Et au moins, tu n'as parlé à personne de cette lettre. Bah, Antoine l'avait retirée du courrier et me l'a remise maintenant. Mais voilà! Mais bien entendu! Quoi? Antoine! Et il a eu l'habileté de la prendre dans le courrier pour te la donner lui-même. Bah, j'espère que tu ne l'as pas lu devant lui. Tu ne la lui as pas montré, hein? Mais non, ni à lui ni à personne. Oh, alors c'est bien. Non, à personne, tu entends? Il faut n'en parler à personne. Et Norbert? Et pas plus à Norbert qu'à un autre. Je serais honteuse devant lui, et devant Patricia. Il faut faire comme si cette lettre ne t'était pas parvenue. Comme si elle n'existait pas. Hé, hey Olivier, une nouvelle lettre de ta pépé. Antoine, je te l'ai déjà dit, je n'ai pas de pépé. Oui. Sinon, Emmanuel. Et tu admettras que ma femme n'a aucune raison de m'écrire au bureau. Bah, te fâche pas. On peut plaisanter, non? Mais je t'ai prévenu, gars à pète sec. Ça, il sera pas content si tu prends l'habitude de recevoir du courrier ici. Oui, bon, confidence pour confidence, Antoine, je peux pas empêcher qu'on m'écrive au bureau. Dis donc. Quoi? Bah quoi? Si c'était toi. Ah, t'es fou, non? Est-ce que j'ai une tête à m'amuser avec ça, moi? Je le souhaite. Parce que la lettre anonyme, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Je m'en doute. Mais si j'avais là devant moi celui ou celle qui m'adresse ses amabilités, je lui en ferais passer le goût. Mais des lettres anonymes, mais pour te dire quoi? Rien que des choses agréables. Salut, Olivier. Ah, bonjour, Norbert. Merci d'être venu. Et quand tu m'as téléphoné, j'ai compris, Lico, que tu avais besoin de moi. Il y avait quelque chose dans ta voix. Oui. Et puis, me fixer rendez-vous au café alors que nous dînons ensemble demain soir avec nos femmes. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait une bêtise avec une sauterelle? Une sauterelle? Non. Oui, il se passe ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Une lettre? Anonyme. Lis. Non. Votre femme est infidèle. Mais oui, continue. Deux fois par semaine, elle retrouve votre ami Norbert. C'est pas pour se livrer ensemble l'étude de l'architecture papillonienne. Mais c'est une infamie, ça. Hein? Tu avoueras que c'est déplaisant? Enfin, je ne me connais pas d'ennemis, je ne porte tort à personne. J'ai pas de copain à qui je barre avancement. Oui, c'est pourtant la seconde lettre de la même cuvée. Ah oui? Oui, la première se bornait à accuser mon meilleur ami. Oui, mon meilleur ami. Celle-ci est plus nette. Donne. Tiens. Monsieur, je vous l'ai écrit, votre femme est infidèle. Deux fois par semaine, elle retrouve votre meilleur ami, Norbert. Et c'est pas pour se livrer ensemble à l'étude de l'architecture babylonienne. Voilà. Bah, tu n'y crois pas? Tu n'y crois pas, j'imagine? Mais bien sûr que non. Enfin, tout de même. Enfin, Norbert, tu ne vois pas quelqu'un qui voudrait te causer des ennuis? Oui, on se sert peut-être de moi pour t'atteindre, toi. Une vengeance de mari trompé, de femme abandonnée. Non. Depuis que j'ai épousé Patricia, fini. Un homme rangé sur lequel il n'y a plus rien à dire. Oui, ce serait pas malin, d'ailleurs. Oui. Patricia est charmante. Elle t'a apporté pas mal d'argent. Oui. Hein? Comment réagirait-elle si tu lui étais infidèle?
hein? Non, peu importe. De toute façon, Olivier, ce qui compte, c'est nous deux. Toi et moi, hein? Des amis. Enfin, des frères, quoi. Oui, Norbert, oui. Que je commette une entorse à mon contrat de mariage, possible, après tout, mais pas avec Emmanuel, pas avec ta femme. Oui, ben ça vaut mieux, Norbert. Je serai incapable de le supporter. L'infidélité de ma femme passe encore, mais la trahison de mon meilleur ami, ah non. Ah non, tu m'as compris, Norbert. Oui, oui. Ça, il n'a pas manqué son but, celui qui cherche à nous dresser l'un contre l'autre. Olivier. Enfin, Olivier, tu as toujours confiance en moi. Oui. Ouais, ce qui signifie que tu doutes, que tu t'interroges. Tu sais que tu me fasses surveiller. Oh. Emmanuel m'a dit la même chose. Emmanuel, mais tu lui en as parlé? Lorsque j'ai reçu la première lettre, oui. Et ça remonte à quand? Une semaine. Mais pourquoi ne m'as-tu pas averti dès ce moment-là? Mais je me refusais à donner cette satisfaction à celui ou à celle qui m'écrivait. Ah. Oh, Emmanuel en était persuadé, ça serait une blague de mes collègues de bureau. Moi, maintenant... Maintenant, tu vas me faire le plaisir de déchirer ce torchon et d'oublier tout cela, hein? N'en reparle pas, Emmanuel. Inutile de la blesser davantage. Et, bien entendu, rien à Patricia, hein? Ma tendre épouse a des réactions imprévisibles. Tu vois, Norbert, si c'était elle. Patricia? Elle qui t'aurait écrit ces saletés? Ah non, non et non! Olivier, je t'en prie, garde les pieds sur terre. Olivier, tu as reçu une autre lettre de ton XY. Comment le sais-tu? Il suffit de te regarder. Après le choc causé par la première, peu à peu tu t'es repris. Tu redevenais toi-même. Brusquement, hier soir, changement à vue. J'ai patienté, espéré. Mais ce matin, en t'écoutant, j'ai été fixée. Il y a eu une seconde lettre. Et qui t'en dit davantage, n'est-ce pas? Hélas, oui. Hélas. Donc tu ajoutes foi aux calomnies. Me diras-tu ce qu'on te raconte aujourd'hui? Deux fois par semaine, paraît-il, vous vous retrouvez Norbert et toi. Charmant. On ne te dit pas où? Non. Et tu ne fais rien pour que cesse ce petit jeu. Et quoi, par exemple? Faudrait connaître l'auteur des lettres, mais comment? Papier de la lettre, l'enveloppe, tout ça, on trouve ça dans tous les uniprix. Et l'adresse dactylographiée. Et rappelle-toi ce film où l'on voyait un policier identifier un coupable grâce à une machine à écrire. À ton bureau. Oh, à mon bureau. Il y a 300 machines dans la maison. Tu me vois demandant à chaque dactylo de me taper un spécimen. Et puis, pourquoi t'obstiner à voir le coupable parmi les gens du bureau? Oh, parce qu'il n'y a que tes copains qui soient capables d'inventer une blague pareille. Un canular, comme ils disent. Oui. J'ai interrogé Antoine. Je le regardais dans les yeux, je suis sûr désormais que c'est pas lui. Ça, bravo. Tu es perspicace. En tout cas, résultat, tu ne fais rien. Sauf m'espionner, je suppose. Mais tu n'es pas la seule intéressée, Emmanuel. Ah, et qui? Norbert. Oh. Norbert, Patricia également. Lui se défend comme un beau diable. Elle, je ne sais pas. Et parce que tu as pris Norbert pour confident? Bah, écoute, il y a un instant, tu me reprochais de ne rien tenter. Mais t'as rendu compte? Accuser Norbert, c'est m'accuser aussi? Mais je me prends à douter de chacun. Autrefois, Norbert ne comptait pas les succès féminins. Souvent même, il te regardait d'une manière qui ne me plaisait pas beaucoup. Oh oui, oh oui. Aujourd'hui, il prétend que son mariage l'a fait devenir ermite. Le diable ne se laisse pas manœuvrer si facilement. Oh, tout cela est d'une rare délicatesse envers moi. Et nous dînons avec Norbert et Patricia tout à l'heure. Charmante soirée en perspective. Tu n'aurais pas parlé à Patricia également? Oh bah, non seulement Norbert m'a prié de ne pas le faire, mais j'y tiens pas. Non, si c'était elle. Oh. Mais, oui, oui. Elle, l'auteur des lettres. Et pourquoi pas? Nous la connaissons mal, Patricia. Elle peut suspecter Norbert et chercher à nous brouiller. Oh, Olivier, est-ce que tu te rends compte de la situation? Norbert, Patricia, je m'en fiche. Mais nous, notre ménage, notre bonheur... Crois-tu qu'il pourra résister?
Ah, il faut faire quelque chose. Mais oui. Et prévenir la police. Ah non. Ça serait du propre. Un enquêteur à mon bureau, dans l'entourage de Norbert. Et comment prévoir les éclaboussures? Alors, rien. Rien. Si? Il y a Marcelin? Oui, Marcelin. Tu connais? Il est graphologue. C'est un vieil ami. J'ai toute confiance en lui. Ah oui? Peut-être nous fournira-t-il une idée. Tu téléphones. Hein? Tu téléphones pour lui demander un rendez-vous. Et nous irons ensemble, s'il te plaît. Ah, Olivier. Bonjour, Marcelin. Tu connais ma femme, je crois. En effet. Bonjour, madame. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Eh bien, dites donc, ça n'a pas l'air d'aller. Vous semblez empoisonnés tous les deux, non? Empoisonnés, c'est le mot. Et nous comptons beaucoup sur toi pour nous aider. Ah, je vois. Vous avez reçu une lettre anonyme? Non, deux. Olivier, montre les lettres à monsieur Marcelin. Voilà, Marcelin. Oui. Tu me jures, n'est-ce pas? Oh, enfin, si tu as le moindre doute sur mon silence, je préfère tout ignorer. Je t'en prie, va. Et vous, madame? Aidez-nous à sortir de ce cauchemar. Dites-nous qui a écrit ces horribles lettres. Oh, madame, je ne suis pas sorcier. Là, regarde toujours. Donnez, voyons. Voyons. Ah, évidemment. Il s'agit d'un examen superficiel, hein? Oui. Et d'autant plus malaisé que le scripteur anonyme a employé les caractères bâtons. Oui, c'est ce que je te disais. Voilà, les caractères bâtons, vous voyez. Toutefois, si neutre que soit en apparence de tels caractères, il possède ce que nous appelons une morphologie. Vous me suivez? Oui. J'essaie. Je peux déjà vous dire, à 80% de certitude, que le scripteur a tracé les caractères de la main gauche. Oui, mais de la main gauche. Il évite ainsi davantage les analogies, boucles, gladioles, reprises, avec son écriture normale. Oui. Ce n'est donc pas un ambidextre. L'individu est réfléchi, posé, logique, mathématique, dirais-je même. D'âge moyen, il possède un contrôle de soi manifeste. Il ignore les hésitations. Il n'est ni nerveux, ni hypertendu. Son psychisme, pour entamer qu'il soit par la volonté d'anonymat, signe indiscutable de déséquilibre, son psychisme, dis-je, procède d'une volonté supérieure à l'affectivité. Voilà. Eh bien. Monsieur, vous dites « il ». C'est donc un homme, à votre avis? En tout cas, s'il s'agit d'une femme, elle est pondérée et elle s'est tracé un plan dont rien ne la fera dévier. Pardonnez-moi de ne pouvoir me montrer plus précis. Oh, mais... c'est déjà pas mal. Parce que tu as une idée, toi? Oui. Eh bien, tant mieux, si j'ai réussi à vous aider tous les deux. Je peux en être certain, Marcelin. Merci. Oh, non. Oui, je me refuse à attendre d'être à la maison. Nous sommes seuls, en voiture, sans témoin pour entendre ce que nous disons. Alors parle. Tu as des soupçons, n'est-ce pas? Le portrait tracé par Marcelin m'a semblé assez net. Pas toi, Emmanuel? Je ne vois pas. Je connais mal tes collègues du bureau. Non. T'es pas la peine de chercher si loin. Tu ne devines pas. Norbert? Oh, ce serait ridicule. Pourquoi irait-il s'accuser? Oh non, Norbert est un instinctif d'une pièce qui se moque bien de fixer un plan pourvu que les cailles tombent plus trottis, non? Non, c'est pas... pas Norbert que je pense. Patricia? Pour briser votre vieille amitié? Pour garder Norbert tout à elle? Pour le ramener à cette espèce d'esclavage dont rêvent certaines épouses, paraît-il? Oui, pour y avoir de ça, je te l'ai dit, nous la connaissons assez mal, pourtant... paraît moins raisonneuse que passionnée. Non, décidément, le portrait établi par Marcelin ne convient qu'à une personne. À qui? Et à toi, ma chérie.
Tu es fou. Enfin, en attendant que ma folie soit démontrée, je ne crois pas me tromper si je dis que ta volonté est supérieure à ton affectivité. Ce sont les propres termes de Marcelin. Moi, je te répondrai d'un mot. Pourquoi ? Admettons que, par impossible, Norbert soit mon amant. Admettons que lui et moi nous retrouvions deux fois par semaine, en quelques coins discrets. Quel serait mon intérêt à te la prendre ? Non, mais Emmanuel, je conduis. Si tu ne veux pas d'accident, mieux vaut ne pas me saisir le bras comme tu fais. Mais tu n'as pas répondu. Pour quel motif t'aurais-je écrit ces lettres ? Je me le demande, Emmanuel. Je me le demande depuis que Marcelin m'a ouvert les yeux. Salut Olivier. Salut Antoine. Ça va ? C'est bien que possible. Dis donc, au fait, ça fait un moment que tu n'as plus reçu de lettre de ton XY qui te veut du bien. Près de 2 semaines, oui. Ah, il a peut-être renoncé. Je le souhaite. Eh ben, tu te trompes. Oui. En voilà une autre. Ah. On dirait que ça te fait plaisir. Plaisir ? Bon, c'est-à-dire que... Permets-moi de te rappeler que j'ignore tout des menaces que l'on t'adresse. Ah oui, mon vieux. Tu aurais pu, tu aurais dû te confier à moi. Enfin, à ton meilleur copain de bureau. Tu préfères te taire, à ton aise. Mais moi, je suis libre d'établir des pronostics. Oui, en quelque sorte, tu paries avec toi-même, lettre ou pas lettre. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as gagné. Allons, vieux. Raconte-moi ce qui t'arrive. Enfin, depuis la première lettre, tu n'es plus le même homme. Je sais pas, moi, je pourrais te donner un conseil, un appui. Non, écoute, Antoine, il y a des cas où la solitude est indispensable. Bon, tant pis. Je t'aurais prévenu. Oui, merci. Merci, Antoine. Toi, déjà, Olivier ? Tu rentres bientôt du bureau. T'es souffrant ? Non, Emmanuel, non. Je suis simplement curieux. Qu'est-ce que tu as encore en tête ? Réponds, voyons. Non, je t'écoute. C'est plein d'enseignements. Oh, écoute, assez. J'en ai assez, comprends-le. Cette existence de soupçons, d'espionnage. Toutes les sales petites ruches que tu emploies pour me prendre en défaut. En défaut de quoi, je te le demande ? L'autre jour, après notre visite à Marcelin, tu m'as accusé d'être l'auteur des lettres. Moi ? Oui, alors, pas franchement, ça bien sûr. Sur le moment, je ne me suis pas défendue, mais ça me semblait indigne. Puis les jours ont passé, mais j'ai compris que tu me surveillais. Une surveillance de mes gestes, de mes paroles. Tu cherches la preuve qui te manque. Je me trompe ? Avoue qu'il y a de quoi être troublé. Je n'avoue rien du tout. Oui. Tiens. Tu attends quelqu'un, Emmanuel ? Non, pourquoi ? Pas parce qu'on vient de sonner. Non ! N'y va pas. Je préfère ouvrir moi-même. Mais... Quoi ? Ah, rien. Oh, mais on s'impatiente. Ça doit être encore un placier en aspirateur. Ou un courtier d'assurance, certainement. Ah, oh, par exemple. C'est toi, Norbert. Eh oui. Tu vois ? Bonjour, Olivier. Je suis content de te rencontrer. Me rencontrer chez moi, c'est amusant. Oui, je passais dans le quartier. C'est ça. Et tu as eu l'idée de monter. Voilà. Bonsoir, Emmanuel. Vous allez bien ? Très, très bien, oui. Et Patricia ? On ne peut mieux. Mais c'est même étonnant, une femme aussi équilibrée à tout point de vue, santé, esprit, enfin tout. L'épouse idéale, quoi. Oui, idéale, c'est le... Oui, dites-donc, vous deux, votre petit numéro est bientôt fini, oui ? Ne me prenez tout de même pas pour plus bête que je suis, hein. Mais qu'est-ce que tu as, Olivier ? Oh, figurez-vous, Norbert, il est jaloux. Emmanuel, tu veux me faire le plaisir de te taire. Et toi, Norbert, explique-moi donc pour quelle vraie raison, tu rends visite à ma femme précisément quand je suis absent. Enfin, quand je devrais être absent. Enfin, je t'ai déjà dit que tu passais. Oui ? Oui. Et comme tu étais certain qu'au même moment je me trouvais loin, au bureau... Si j'avais eu un doute, ton air embarrassé m'aurait été éclairé. Mais tu es fou. Attends-moi. Ah, dites. Tu n'as pas vu le regard épouvanté de ma douce Emmanuelle lorsque ton coup de sonnette a retenti.
Et avant, lorsque j'ai surgi à 7 heures, Wellesley pensait que j'étais retenu coincé à mon travail. Vous voulez savoir pour quelle raison je suis rentré 2 heures plus tôt que de coutume? Eh bien, écoutez donc ça, tous les deux. Je n'invente rien, je lis. Pauvre type. Oui, pauvre type. Tu n'es donc pas encore convaincu, alors reviens chez toi à l'improviste, une après-midi, le mardi ou le vendredi de préférence. Oh, c'est un abominable mensonge. Tu as reçu une nouvelle lettre. Ah, oh. Bah, reconnaissez que celui ou celle qui m'écrit est bien renseigné, n'est-ce pas? Oui. Bon, eh bien, soit. Emmanuel, il vaut mieux tout lui dire. Ah, ben voilà. On se décide. Non, ce qui ne signifie nullement qu'il existe quelque chose entre ta femme et moi, je te le jure. Eh bien, raconte d'abord. On conclura ensuite. Étant donné ce que nous savions de ces lettres anonymes, et comme tu devenais de jour en jour plus obsédé par ces mensonges... N'essayez pas de nous justifier, Norbert. Avant que vous n'arriviez, je disais à Olivier ce que je pense de lui. J'ai de bons motifs, non? Tiens, Norbert, figure-toi, l'autre jour, je t'ai aperçu. Hein? Tu sortais d'ici. Ben oui, oui, d'ici, de ma propre maison. Pourtant, ce jour-là, Emmanuel ne m'a pas dit un mot de ta visite. Alors, le lendemain, je te téléphone, à toi. Tu n'as pas été plus bavard. Ah, de quoi avoir des soupçons, non? Mais nous voulions nous consulter, je te le répète. Oui, la consultation à jour fixe quand le mari n'est pas là, le mardi et le vendredi, sont les jours même indiqués par la lettre. Bah, une infamie, tu ne vas pas croire, une chose pareille. Une infamie très bien renseignée. Nous sommes vendredi, justement. Car tu y crois. Oh, inutile d'insister, Norbert. Olivier nous refuse sa confiance, tant pis. Ah, voilà qui est mieux, Emmanuel. Je préfère un aveu en toute franchise plutôt que de m'adresser à un détective privé, figure-toi. Mais pourquoi faire? Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. C'est rien. C'est rien. Vos rendez-vous clandestins. Non, écoute-moi, Olivier, on cherchait à te sauver de toi-même. Oui, à vous sauvez-vous, oui. Oh, cette discussion est odieuse, Olivier. À mon tour d'exiger de toi une réponse. Que ces lettres anonymes soient une invention de tes copains de bureau ou une calomnie imaginée par je ne sais quel maniaque... Oui, ou par quelqu'un qui me déteste, moi. Peu importe, l'essentiel n'est pas là. Ce que j'entends savoir de toi, Olivier, c'est ce que tu comptes faire. Vas-tu t'enfoncer de plus en plus, et nous avec toi, dans un climat de surveillance, de bassesse? Tu exiges une réponse. Comme s'il suffisait de décider, je crois, leur innocence pour en être convaincu. Emmanuel, je conçois que ce doit être pénible pour toi, mais songe à moi. Songe à moi. Quand j'arrive à chasser la hantise, une nouvelle lettre remet tout en question. Je voudrais tant retrouver ma confiance en vous deux, j'aimerais tant... Notre amitié devrait te rassurer. Oui, oui, par moments, j'espère, et puis... Par moment, j'en viens à me demander s'il ne voudrait pas mieux nous séparer, Emmanuel et moi. Tu en es là, Olivier? Oui, oui. Ah oui. Après tout, un divorce, c'est pas si grave. On en guérit. Et voilà. 3 lettres anonymes. Et voilà un foyer détruit. Mais... Constatez-le, je prends ça très bien dès lors qu'on ne se ment plus. Norbert, tu vas pouvoir te remarier avec Emmanuel. Oh. Mais tu es complètement fou. Tu disposes d'Emmanuel, tu disposes de moi et Patricia, tu l'oublies. Bah, je me charge de la convaincre. Mais tu ne te charges de rien du tout. C'est une fille intelligente, elle comprendra qu'on ne retient pas un mari qui veut s'en aller. Mais je ne veux pas m'en aller. Ah, je ne veux pas divorcer, pas plus qu'Emmanuel, j'en suis sûr, n'est-ce pas, Emmanuel? Oh, je me demande ce que je souhaite. Moi, Olivier, je ne mâche pas mes mots. Lettre anonyme ou pas, tu crois à ma parole et tu ne dis rien à Patricia. Pas un mot, n'est-ce pas? C'est d'accord. J'essaierai. Je ne te garantis rien. Et maintenant, Olivier, si vous m'expliquiez nettement pourquoi ce rendez-vous, pourquoi choisir le Palais Royal? Pourquoi me faire promettre le secret, même vis-à-vis de Norbert? Parce que, Patricia, ce que j'ai à vous confier doit demeurer entre vous et moi. Oh, c'est donc si grave. Oui, oui, très. Notre existence à tous quatre en dépend. Oh, vous me terrifiez. Oh, Patricia, ne plaisantez pas. À moins, évidemment, que vous ne soyez responsable de ce qui se passe depuis un mois. Patricia. Oui? Quoi qu'il doive en résulter, ne me cachez rien, n'est-ce pas? Si vous me demandez de ne pas répéter vos paroles, vous obéirez. Mais répondez à cette question. Est-ce que c'est vous qui m'avez adressé au bureau 3 lettres? Oui, 3 lettres à l'écriture contrefaite. 3 lettres signées XY. Je ne comprends pas. Ce que je peux vous assurer, c'est que je ne vous ai pas écrit, ni chez vous, ni au bureau. Qu'est-ce qu'elles disaient, ces lettres? Que votre mari est l'amant de ma femme. Norbert et Emmanuel? Oui. Et
Vous ignorez qui vous écrit? Il signe de deux lettres XY. Il, nous, elle. Vous avez porté plainte? Plainte contre X? Pour que l'on fouille notre vie et la vôtre, que l'on soulève un scandale dans la société qui m'emploie, avec toutes les conséquences imaginables sur nous, sur vous, et puis sur d'autres, peut-être. Je n'ai pas osé. Vous en avez parlé à Emmanuel? Oui. À Norbert aussi, tous deux protestent, bien entendu. Mais vous, vous avez des doutes? Oui. Patricia, si c'est vous qui m'avez écrit ces lettres, je ne vous le reprocherai pas. Quand on est malheureux, on est capable de tout. Ce n'est pas moi, je vous le jure. Ah, mais parfois, j'en viens à me poser la question. Si c'était Emmanuel. Oui, si elle n'avait pas osé me parler franchement, si elle espérait par ce moyen détourné me persuader peu à peu et m'amener au divorce. Enfin, Patricia, je les ai surpris ensemble. Vous les avez surpris? Oui, enfin, rien de suspect dans leur attitude. Les rendez-vous convenus à des heures où je ne pouvais pas les gêner. Ça donne à penser. Mais qu'est-ce que ça prouve? Nous-mêmes, Olivier, aujourd'hui... Ben oui, oui, vous avez raison. Pourvu que je ne reçoive plus de lettres, sinon ce sera plus fort que moi. Merci, Patricia. Vous me sauvez. Je vous aime bien, Olivier. Vous êtes un chic type. Et vous avez eu raison de vous confier à moi, tout à fait raison. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Antoine. Ah, tu as l'air plus tranquille depuis quelque temps. Oui. Et ne me dis surtout pas qu'il y a encore une lettre pour moi. Si? Elle est arrivée hier matin. Ah, j'avais une belle envie de la déchirer au lieu de te la remettre. Mon pauvre vieux. Oui, oui, donne, donne. Attends, attends. Surtout, ne te laisse pas impressionner. Quoi qu'elle contienne, ça ne peut être que des mensonges. Mais oui, mais pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à t'éprouver, à te faire commettre un acte que tu regretteras ensuite toute ta vie. Donne-moi cette lettre. Ben voilà. Merci. Mais vraiment, Olivier, vraiment, tu ne veux pas me dire? Non, Antoine. Il s'agit d'un problème personnel. Un problème dont je ne peux découvrir la solution que seul. Totalement seul. Bon. Alors, du courage, mon vieux. Hein? Monsieur le commissaire, je viens me constituer prisonnier. Il y a une heure, j'ai tué ma femme et son amant. Votre nom, d'abord, monsieur? Olivier Mesmin. J'ai 37 ans, je travaille à la compagnie d'assurance Saint-Christophe. Je me suis marié il y a 8 ans à Emmanuel Vergès. Un foyer semblable à beaucoup d'autres. Sans grand bonheur, sans grande secousse non plus. Jusqu'à ces derniers mois où j'ai reçu une série de lettres anonymes. Vous les avez conservées? Les deux dernières, oui. Elles étaient toutes sur le même type, expédiées à mon bureau. L'adresse dactylographiée et les lettres rédigées en caractère bâton. Mon correspondant... Donc vous ignorez l'identité, bien entendu. Aucune idée, vraiment? Aucune. J'ai consulté l'un de mes amis, un graphologue, qui a dressé une sorte de portrait du responsable. C'est peut-être un homme. Et pas impossible non plus que ce soit une femme. Que vous disait-on? Que ma femme et mon ami Norbert Laurent... Oui. Et il semble que l'auteur des lettres a découvert peu à peu certains détails de cette liaison. Celui ou celle qui m'écrivait a d'abord accusé sans me fournir de preuves, ensuite davantage de précision, les jours de rendez-vous, les heures... Impossible de résister à un tel envahissement. J'ai questionné Emmanuel. Elle s'est défendue. Mais si mal. Et votre ami, ce Norbert Laurent? Il s'est indigné. Je les ai crus tous les deux. Sans doute, comme le prétend Emmanuel, quelqu'un s'efforçait de nous séparer. Ou encore, à travers moi, on cherchait à atteindre Norbert.
Oui, lui a épousé il y a 4 ans une fille qui possède une jolie fortune. Patricia, elle a de la famille aux États-Unis, c'est de là que vient l'argent. Peut-être, je me disais, espère-t-on, que j'accuserai Norbert auprès de Patricia et qu'elle se montrera moins naïve que moi. Enfin, que ne me suis-je pas dit. J'ai proposé le divorce à Emmanuel. S'il y avait du vrai dans ses dénonciations. À 2 reprises, je les ai surpris, Norbert et elle, seuls ensemble, chez nous. La dernière fois, c'était il y a 1 heure. Ils étaient... Enfin, leur attitude ne laissait aucun doute sur leur intimité. Que vous répondre? J'ai reçu la lettre au bureau, comme les autres. La 4e de ces dénonciations abominables, sans autre signature que XY. Cette fois, on m'insultait. Imbécile. Imbécile. Tu les trouveras ensemble chez toi, de 4 à 6, jeudi. Jeudi. C'est-à-dire aujourd'hui. Je quittais le bureau. Je me suis retrouvé devant ma porte. J'ai ouvert. Ils m'ont pas entendu. Ils étaient côte à côte. J'ai tiré. Chargeur entier. Vous aviez acheté cette arme récemment ? Oh non. Je l'ai depuis plusieurs années, avant mon mariage. Vous pouvez vérifier chez l'armurier. Où aviez-vous rangé ce revolver ? Bah, il était au fond d'un tiroir chez nous, dans un petit meuble chinois du vestibule. Mais, monsieur le commissaire, il y a 15 ans, c'est vrai, j'ai manipulé ce revolver. J'avais eu la tentation de les épouvanter pour obtenir cette réponse dont j'avais un tel besoin. Moi, je me suis repris, j'ai voulu croire à leur sincérité. Alors j'ai replacé l'arme où elle était, tout à fait au fond, loin de moi. Puis tout à l'heure, quand j'ai entendu leur voix, à 1 heure où normalement je devais être à mon bureau, où Norbert n'avait rien à faire chez moi, j'ai perdu la tête. J'ai ouvert le tiroir. J'ai saisi l'arme. Asseyez-vous, madame. Merci, monsieur. Vous avez demandé à me parler personnellement ? Oui, monsieur le commissaire. Je suis la veuve de Norbert Laurent. Je sais. Je voudrais que vous receviez mon témoignage. Je vous écoute, madame. C'est difficile. Très difficile. J'ai beaucoup hésité avant de venir. Pourtant, la vérité me poussait. Il faut être en règle avec sa conscience. Si l'on n'obéit pas, on le paye un jour ou l'autre. Du calme, madame. Parlez-moi sans crainte. Merci. Voyez-vous, monsieur le commissaire, j'aimais Norbert. Mais je suis d'un caractère entier. On me le reprochait souvent là où j'ai fait mes études. Je suis admise américaine. Le divorce ne me fait pas peur, mais l'adultère, oui. Si l'on aime ailleurs, il faut se séparer. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Voulez-vous dire que ce serait vous, l'auteur des lettres anonymes, qui ont poussé Olivier Mesmin à tuer sa femme et votre mari ? Non, non, ce n'est pas moi. Olivier vous a dit sûrement qu'il m'avait lui-même posé la question. Non, madame. Il vous a tenu en dehors du drame. Oh. Oh, cher Olivier. Le merveilleux garçon. Un être candide, fait pour être victime, toujours victime. J'ai essayé de lui redonner confiance, de le rassurer. C'était une erreur. Je ne vous comprends pas, madame. Mais c'est simple, cependant. J'ai cherché moi-même à savoir. Est-ce que Norbert se moquait de moi avec cette petite garce d'Emmanuel ? Bon, j'ai évité la question directe, je me suis bornée à observer... À contrôler des attitudes, des paroles, des excuses pour un retard.
J'ai acquis la conviction que mon mari me trompait. J'étais résolue, j'allais lui signifier ma décision. Le divorce, quand j'ai appris qu'Olivier m'avait devancée. Voilà, monsieur le commissaire, ce que je tenais à vous révéler. Pardonnez-moi, madame, mais où voulez-vous en venir ? À ceci. Olivier ne devait pas les tuer. Mais il a toutes les excuses. D'abord, les lettres, elles l'ont bouleversé, conduit au meurtre. Et puis ce fait qu'Emmanuel et Norbert commettaient l'adultère. Je vois, oui. Et vous êtes prête, je suppose, à confirmer votre déposition sous serment devant le juge d'instruction? Certainement. Très bien. Mais, encore un mot. Vous êtes sûre, absolument sûre, de ne porter aucune responsabilité personnelle dans cette histoire de lettres anonymes? Je n'aurais pas perdu mon temps à écrire. Je vous le répète, j'allais parler, pas seulement à Norbert. À Emmanuel aussi. Olivier aurait divorcé. Cela valait mieux pour lui que la prison et les assises. Monsieur le commissaire, est-ce qu'il risque beaucoup ? Comment savoir, madame ? En matière de crimes passionnels, les verdicts des jurés sont parfois très indulgents. On le gardera en prison jusqu'au jugement. Oh, pauvre Olivier. Votre témoignage aidant, son avocat va demander la liberté provisoire. Oh, merci, monsieur le commissaire. Je pars réconfortée. Ne vous dérangez pas, Carmen, je vais ouvrir. Olivier, je m'en doutais. Ma première visite d'homme libre est pour vous, Patricia. Venez, venez. Asseyez-vous. Merci. Laissez que je vous regarde. Un peu ravagé, n'est-ce pas ? 2 mois et 6 jours, exactement, entre 4 murs. Vous êtes libre, libre ? Je devrais me constituer prisonnier la veille des assises. Après, ça dépendra des 12 voix qui décideront de mon sort. Mais Patricia, de toute façon, je tenais à vous remercier. C'est beaucoup grâce à votre témoignage qu'on m'a accordé la liberté provisoire. C'était mon devoir. Vous étiez fondé de ne pas oublier. J'ai tué Norbert. Je n'oublie pas, Olivier. Patricia... Devant le commissaire, enfin devant le juge, vous avez dit que vous étiez résolu au divorce. En effet. Vous aviez donc, vous, cette conviction qu'en vérité je n'ai jamais obtenue. Je l'ai avoué au juge quand j'ai tiré sur eux. J'agissais à l'insu de ma volonté. Le vrai coupable, c'est celui qui vous écrivait inlassablement « Tu es un époux bafoué, tu es un ami trompé ». Non, merci. Merci, Patricia. C'est ça, oui. C'est ça que j'expliquerai aux assises. C'est cela que mon avocat plaidera. Ils ne pourront pas me condamner lourdement. Vous avez raison, Olivier. Une condamnation légère, c'est ce qui vous attend. Oui. Et après, Patricia ? Après ? Peut-être... Pourrons-nous oublier ensemble ? Vous voyez loin. Oui, j'ai tort. Mais quand je me retrouve auprès de vous, quand je songe à ce que j'ai souffert, à mon foyer détruit, à votre ménage aussi, à ce qui a fait que nous sommes seuls désormais, après avoir été trompés l'un et l'autre... Je n'ai pas été trompée. Oh, voyons, Patricia. Jamais, Olivier. Sinon par vous. Je comprends pas. Vous avez tué Emmanuel. Vous avez tué Norbert.
Oui, je l'ai reconnu. Je me suis livré tout de suite. Oui, cela faisait partie de votre plan. Égaré par des lettres anonymes, le malheureux époux perd la tête et abat la femme et l'ami coupable. Mais Patricia, c'est la vérité. Ces lettres m'avaient rendu fou. Enfin, rappelez-vous lorsque je vous en ai parlé. Votre plan, toujours. Par vos révélations, vous me dressiez contre Norbert. Et vous me mettiez de votre côté. Si je n'avais pas témoigné de mon propre mouvement, vous m'auriez fait citer au débat. Mais jamais. Olivier, vous aviez résolu de vous débarrasser d'Emmanuel. Mais c'était pas assez. Il vous fallait ma fortune. Oh. D'où cette mise en scène? Rappelez-vous plutôt le portrait de votre monsieur XY. Pondéré, raisonnant, poursuivant son dessin avec la rectitude d'un architecte. Dissimulé, mais si bien équilibré en apparence. Tout cela, c'est vous, Olivier. Oh, Patricia, non. C'est vous qui avez écrit ces lettres. Vous qui les avez adressées à votre bureau, afin de multiplier les témoins de leur existence. Vous qui bâtissiez, non un alibi, c'est trop banal, mais des excuses pour légitimer votre crime. Patricia, Patricia, mais comment pouvez-vous croire? Oh, j'étais assez aveugle d'abord pour vous accorder ma confiance, pour admettre que Norbert me trompait avec Emmanuel. J'avais décidé de divorcer, c'est exact. J'ai même songé, folle que j'étais, qu'une fois sortie de prison, vous feriez un époux très acceptable. Vous l'avez dit, on oublierait ensemble. Et oui, et qu'y a-t-il de changé? Tout à l'heure, moi-même. Oui, oui. Vous exécutiez l'avant-dernière partie de votre plan. La demande en remariage. Oh, Patricia. Ah non, je vous jure. Oh, rien du tout. Apprenez plutôt ce qui s'est produit le matin de ma visite au commissariat. Ce jour-là, Carmen... Vous la connaissez, ma domestique espagnole. Carmen, donc, après bien des hésitations, parce que la seule idée de police la terrorise, Carmen m'a révélé quelque chose. Devinez. Un mensonge, sans doute. Non. La veille du crime, nous devions dîner ensemble, tous les quatre, votre ménage et le nôtre. Oui. Emmanuel vous a précédé à la maison. Seule un moment avec Norbert, elle en a profité, elle lui a parlé. Et ce n'étaient pas deux amants qui tiennent des propos de passion. Mais votre femme et votre ami qui s'ingéniaient à découvrir le meilleur moyen pour vous sauver de vous-même. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je les ai surpris. C'est vous qui le dites. Mais là, c'est Carmen qui les a entendus. C'est Carmen qui m'a répété leurs paroles. Emmanuel, comme Norbert, en était venu à comprendre que vous, et vous seul, étiez l'auteur des lettres anonymes. Non, mais c'est de la démence. Oh, peut-être. C'était d'ailleurs l'opinion d'Emmanuel. Olivier est devenu fou, disait-elle. Et Norbert, ce naïf. Imaginez plutôt que vous aviez inventé une mauvaise farce. Ils avaient résolu de vous guérir en vous prenant à votre propre piège. Emmanuel avait téléphoné à Norbert de façon que vous l'entendiez. Elle lui fixait un rendez-vous pour le lendemain. Sûrement vous alliez accourir. Il vous mettrait en face de vous-même. Voilà ce qu'a surpris Carmen. Et le lendemain. Le lendemain? Vous aviez le revolver tout près dans votre poche. Non. Non, Patricia. Si, Olivier. Votre plan était ainsi exécuté. À l'exception de la dernière partie, notre remariage. Oh. Oh. Oh non. Oh non, Patricia, vous avez cherché à m'effrayer, peut-être pour me contraindre à de faux aveux. Mais enfin, mais je n'ai rien fait de tout ce que vous dites. Mais sinon, vous m'auriez désavoué. Patricia, vous acceptez, n'est-ce pas? Oui. J'accepte. Ah. Non de vous épouser, mais de remplacer une justice pour qui mes preuves seraient sans doute trop fragiles. Voilà pourquoi j'ai confirmé devant le juge ce que j'avais dit au commissaire. Je tenais à ce que vous échappiez aux assises. Je voulais que vous me restiez à moi.
Je suis d'un caractère très entier, Olivier. Patricia! Non! Non! Ce n'est rien, Carmen! Allô? Allô, le commissariat? Ici, Madame Norbert Laurent. Je viens d'abattre l'assassin de mon mari.